Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour les fameux Trick or Trade. Voilà, des boosters de je ne sais pas combien de cartes. Le pack est ouvert. Je ne sais plus combien de cartes dedans. Il y a 3 cartes dedans. Donc c'est une petite série qui a été faite pour Halloween exprès en anglais. La série était sortie aussi l'année dernière. Je l'avais tournée aussi en vidéo. Et là, du coup, je vous avais demandé si vous vouliez qu'on la fasse et j'avais fait un sondage. Et vous avez été quand même un peu unanime. On a été quasi 76% à dire oui. Donc voilà. Sinon, j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu ça. Voilà. Je vous donne ça. Vous aurez ça dimanche. Les coffrets, les aléatoires et tout, vous aurez ça plus tard. Tant pis. Et j'ai reçu ça. Voilà. Je vais faire une seule et unique vidéo pour ces 2 coffrets. Et puis sinon, j'ai reçu plein de trucs. Je pense que je vais mettre un post sur Instagram. Je sais pas encore. Faut que j'y réfléchisse. J'ai reçu tous mes stocks de Faille Paradox, donc avec les 2 tripacks différents. J'ai reçu aussi la petite display de Faille Paradox. Et alors, ça est de 1 et de 2. J'ai reçu les ETB de... Alors, c'est Régilune qui est là et Garde de Fer. Alors, est-ce que la rumeur est vraie? Est-ce que les ETB sont buggés? Je ne sais pas. J'ai vu la vidéo tourner sur Instagram. On verra bien. Franchement, je pense que je vais vous mettre ça pour mercredi prochain. Parce que je veux réellement savoir si les ETB sont buggés. Mais bon, on est là pour les Trick or Trade. Donc, on va essayer de faire le Master Set dans cette vidéo. J'ai 25 boosters. Et puis, on va bien voir. Allez, let's go. Et voilà comment ça se présente. Donc, c'est un pack de 50 que j'ai. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je sais plus, je crois que je l'ai partagé avec des amis. Donc, j'en ai 25. Donc, voilà, je l'ai vu au prix de 30 euros, le pack. Donc, ça, c'est un bon prix, franchement, parce que ça, le prix tourne déjà autour des 35 euros à peu près. Donc, objectif Master Set. J'ai le Master Set sous les yeux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a 30 cartes à avoir. Il y en a certaines qui sont holo, je crois, de ce que je vois. Et puis, voilà. Donc, c'est de l'anglais. Voilà, premier booster. On va voir ce que ça va donner. Alors, nous avons un petit... Alors, faut que je me rappelle les noms en FR. C'est Sinistraille qu'on a en premier. Donc, on a du bord jaune et du bord gris. Voilà. On a Mélancolux... pas du tout. Lugulabre en holo. Et Grodrive en rare. Voilà. Une simple... Non, même pas une peu commune. C'est... Ah, y a... donc il y a un tri à faire. Ok. Je savais pas. Donc, je suppose qu'il faut faire... tac, tac. Voilà. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, on n'a pas de double. Donc, on a un petit tout tombe. Après, on a un T3. Et en dernier, on a Marchado. Ok, sympa, très sympa. Doit y avoir un ordre, je sais pas. On va bien voir. Donc là, on en a 4, 5, 6. Voilà. J'aimerais, dans l'idéal, en garder un ou deux scellés. Voilà, on verra bien. En fait, je vais m'arrêter quand on aura complété le set. Ah non, en fait, on a des rares. Ah non, je pense que c'est la holo. Ok, donc on va voir. Ok, on a un petit Magirève. Après, on a un Branet en rare et un Démolos en holo. Ouais, non, franchement, la série est sympa. C'est vraiment juste la petite tête japonaise qui est à côté. Enfin, la petite japonaise, la petite tête d'Halloween qui fait la différence. Mais voilà. Ok, première double. Première double, on a un gros drive. Skillinox qu'on n'avait pas encore. Et Mimiki, let's go. Magirève qu'on avait déjà. Après, on a Nocturne. Terraclope, j'y arrivais. Et Desseliandre que je n'avais pas. Hop, je vais mettre ça là. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on a déjà la moitié de la série. Donc pour vous dire à quel point ça se complète rapidement quand même. Booster suivant, on a un petit Phénicier. J'ai oublié de faire le mélange, c'est pas grave. On a un Tombéro qu'on n'avait pas. Et le petit Cornèbre en obscur que je vais mettre tout en haut là. Voilà. Ok, je vois déjà une carte qu'on n'a pas là, c'est cool. Allez, on continue. On a à peine fait la moitié des boosters. Magirève qu'on avait déjà. Tu t'es écrit qu'on n'avait pas. Et le petit Marchado en holo qu'on avait déjà. Donc là, on en est à... On est à 17 cartes. Cornèbre. Yes, Loup-Garrock en forme diurne. Non, je sais plus. Enfin, en forme obscure qu'on n'avait pas. Et le petit Blizzval. Oh, alors attendez. C'est pas le même holo que sur... ils ont mis l'holographisme de... ouais, c'est l'holographisme de Violet Ecarat qui est sur le Blizzval. Ok, c'est sympa ça par contre. Ça, c'est une carte un peu exclusive, donc ça, c'est cool. On fait le tri. Et on a... Yes, je l'avais pas. Ah, j'ai plus son nom. C'est pas Spiritombe. Non, pas du tout. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est Polichombre. Voilà, je savais plus. Ok, donc petit Polichombre. Et Spectrum qu'on n'avait pas encore. Et Mimikyu qu'on avait déjà. Polichombre. Oh là là, il m'a fallu du temps pour retrouver son nom. Allez, booster suivant. Et on y va avec un Toutombe qu'on avait déjà. Celui-là, je crois que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Yes, c'est Fantominus. Et une holo avec... El Poquito des Céliandres. Ok, bon, on en a 22 cartes. Plus que 8 cartes qui nous manquent. Hein.
Et on a un polychombre qu'on a déjà. Mélancolux qu'on n'avait pas, ça c'est cool, donc 23. Et le ectoplasma, ça fait plaisir. Donc on est à 24 cartes, plus que 6. J'ai pas tombé le... Si, j'ai tombé le Sinistrike, j'ai pas eu le... Ah bah voilà, il me fallait lui, nickel. Hop, et on y va avec un tout tombe encore une fois. Ça c'est Desceland qui évolue en... C'est la petite évolution, je sais plus, j'ai pas envie de chercher. Et yes, Noctu Noir. Putain, j'ai Desceland qui évolue en... Ça finit en Andre, je sais. Je sais, ça finit en Andre, mais je l'ai plus là. Brocélome. C'est pas du tout en Andre, mais c'est pas grave. Ouais, je galère un peu à trouver les noms. Bon, on est bientôt à la fin, non? Hein? Ouais, il me reste encore pas mal de boosters en plus. Oh, Nocerapti, je crois que je l'ai pas. Yes. Attendez, il y a un Nocenfer à choper dedans? Non. Non, il n'y a pas de Nocenfer. Baudrive, on ne l'avait pas. Yes. Donc le petit Baudrive, on va mettre ça là. Nocerapti et... Oh, le Pikachu! Elle est incroyable celle-là. Elle est magnifique. Magnifique cette carte. Ah, elle est très sympa avec. Ah ouais, avec le... bah, elle était exclusive à la série. Bah, je crois qu'à première vue, on a. Ah non, on n'avait pas eu le Poltergeist. Il nous manque le Poltergeist qu'on n'a pas encore vu. Branette, elle est là. Mais le Pikachu, il est incroyable. Terraclop, on l'a eu. Skelenox. On n'a pas eu Skelenox. Ah si, il est là, Skelenox. On n'a pas eu le Funessir. Ouais, il nous manque le Funé. Ah si, on l'a vu, pardon. Et bah, normalement, il nous en manque plus qu'une. Et c'est un Poltergeist. Bon, et bah faut qu'on tape le Poltergeist. On a encore tous ces boosters pour le taper. Donc j'espère l'avoir. On va voir. Bon, là c'est que je pense que là les doubles vont réellement tomber. Magiref qu'on avait déjà. Branette qu'on avait déjà. Et le Desceliandre. Non, toujours pas. Cornèbre. Toujours pas. Et Ectoplasma. Ça c'est cool par contre. En rare. Toujours pas. Toujours pas. Et Pikachu en double. Ça c'est cool par contre. Ça c'est très cool. Je vais juste voir un truc, je reviens. Bon, je triche un peu. J'ai un ami qui est passé l'autre jour. Il m'avait donné ça de la série parce que lui il s'en fichait un peu. Et dedans il y avait. Alors non, ça c'est on s'en fiche, on a rien à voir. Mais il y avait un Poltergeist. C'est le Poltergeist qui nous manque. Il nous reste combien de boosters? Est-ce qu'on va le taper? En gros je l'ai déjà, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on s'en ouvre 4. Si dans les 4 on ne l'a pas, on laisse tomber. Sinon je l'ai déjà. Voilà, c'est ce que je me dis. Allez, s'il te plaît, Poltergeist. Allez, 1, 2, 3. Toujours pas. Spectrum? Non, on l'avait pas celui-là? Ah si, on l'a déjà eu. Et Noctu Noir, ça fait des doubles en holo, c'est pas grave. 4 boosters encore à ouvrir, donc encore 3 là. Ah, let's go! Il est là, yes. Bon, bien voilà les gens, nous avons le Master Set. C'est vraiment pas compliqué. Magie Rêve, Poltergeist et Marshadow en holo. Voilà, je pense que je vais faire le Master Orcam et je vous reprends juste après. Et bien voilà, c'est bon, j'ai absolument complété tout mon Master Set. Donc voilà à quoi ressemble le Master Set. Donc ça c'est grave cool. Donc on a 3 types plantes. Après on a les types feu avec Funessir, Mélancolux et Lugulabre. Après on a un petit Démolos, le fameux Pikachu, forcément. Phantominus, Spectrum, Ectoplasma en holo, Skelenox, voilà. Skelenox qui évolue en Terraclop, qui évolue en Noctu Noir. Là c'est Polychomp, Branette. Le petit Magie Rêve, Baudrive, Grodrive, Mimiki en holo, Marshadow en holo, Tefroi, Poltergeist. Ça c'est sympa franchement. C'est Sylveroi ou Blitzval. Non, Blitzval. Après on a tout Tombe qui évolue en Tombero. Nocerapti, Cornèbre, Lugarok et le fameux Tout était écrit. Et puis du coup bah, j'ai tout ça en holo qui est en double. Donc ça c'est cool. Donc ça fait pas mal de petits holos. 2 Marshadow, 3, 4, 5. Ça c'est cool le Pikachu. 6, 7, 8. J'ai même pas eu besoin de tricher. J'ai même pas eu besoin de prendre celle qu'on m'avait déjà échangée. Donc non, franchement c'est cool. Petit Master Set, ça fait plaisir. Voilà. C'est. Moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà. C'est selon les goûts, les couleurs. Certes, c'est des réimpressions de d'autres séries, mais voilà. C'est des petites artworks comme ça qui sont assez spéciales, qu'on peut trouver que durant un moment. Les boosters, ils valent strictement rien du tout. Voilà. Mais c'est quand même très, très, très cool. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était chill, c'était posé. Franchement, il n'y a aucune grosse carte, hormis le Pikachu à drop dedans. Vous voyez, il me reste encore 7 boosters scellés, si j'ai bien compté. Je m'en sors déjà beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était très, très, très ric-rac. Hein. Je crois qu'il manquait. Il m'en manquait vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il m'en restait genre 1 ou 2 boosters scellés, mais c'était vraiment ridicule. Il me manquait une carte qu'on avait pas réussi à drop. Je sais plus laquelle, faudrait que je regarde la vidéo, mais voilà. Non, cette année, franchement, je suis pas trop mal débrouillé, c'est cool. Je sais pas si vous refaire une réédition pour l'année 2024. Peut-être, hein, voilà. Peut-être en français, j'espère. Déjà, par rapport à l'année dernière, on a eu le calendrier de l'avant qui est sorti en FR, donc c'est déjà mieux, mais voilà, maintenant faut les trick and trade, trick or trade, pardon. Mais voilà, Halloween n'est pas assez démocratisé, peut-être, je sais pas, enfin bon, on verra bien. Bon, prochaine vidéo, du coup, ça va être ça.
ça va être le grand final. C'est ma dernière ouverture des 151. J'ai 7 boosters ? Ouais, 7 boosters à ouvrir. J'espère vraiment avoir de la chance. Franchement, les alts, s'il vous plaît. Parce que franchement, les alternatives, j'en ai paqué 2 en vidéo. Et même 2 tout court. J'en ai paqué 2. 2. Ça fait mal, franchement. Ça, 100 boosters. Non, je suis rendu exactement à 99 boosters ouverts des 151. Et 2 alternatives. Après, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai eu des AR, j'ai eu des full art, j'ai eu les gold et tout. J'ai pas trop à me plaindre. Mais je veux bien des alternatives, s'il vous plaît. N'importe laquelle, mon fils. Même si je l'en double, c'est pas grave. M'en fous, c'est pas grave. Je veux des alternatives. Enfin bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était, voilà, on l'a fait une fois par an. C'est cool, moi j'aime bien. Allez. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!